Est-ce qu'il y a une sœur ici qui a connu un monsieur qu'on appelait comme Haruna? J'ai juste vu ça. Haruna. Haruna. Haruna, Haruna, c'était qui, maman? Il est le père de mes enfants. C'était le père de vos enfants. Jésus-Christ vous aime. Merci, Jésus. Vous comprenez? Merci beaucoup. Jésus vous aime. Merci beaucoup. Et je tenais à vous le dire ce matin. Jésus vous aime. Jésus-Christ vous aime tellement. Merci beaucoup. Oui, parce que vous avez beaucoup souffert dans votre vie. Because you suffered a lot in your vous avez trop souffert. La femme aussi a beaucoup souffert. Hein? Elle a trop souffert. Lorsque vous étiez avec Haruna, quelque chose s'est passé. Something happened. Avec Haruna, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, c'était une question de mariage. Une question de mariage. Vous voyez? Donc, je vous ai vu avec Haruna, vous êtes allé en mariage. Mais le mariage n'a jamais été célébré. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Elle est allée en mariage, mais le mariage, il n'y a pas eu de mariage. C'est ce que Dieu me dit. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, là maintenant, c'est moi qui essaie de décrypter les signes prophétiques. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée. Elle s'est associée à un homme. Ou elle allait en mariage. Elle est partie. Mais l'homme n'a pas fait ce qu'un homme doit faire pour épouser une femme. Vérité. Hein? Seigneur Jésus. Maintenant, regardez. Le Seigneur. La ita wa inna asplameraza desta. Dekata wa inna bromi. Alori. Wa inesma lilo. Le Seigneur me dit de prier avec vous. Vous comprenez? Le Seigneur me dit de prier avec vous. Parce que vous avez besoin de prière. Vous avez beaucoup besoin de prière. Lorsque vous étiez avec Haruna, quelque chose s'est passé. En fait, le vrai problème pour lequel vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il vous a laissé, c'est parce que la belle famille. Vous comprenez? Je vous donne la vraie raison. Hein. C'est parce que la belle famille. Haruna avait une sœur qu'on appelait comme Aïcha, hein? Qui ne vous aimait pas that did not love you. Et qui n'avait jamais été d'accord avec le fait qu'il vienne pour épouser une femme chrétienne. Et c'est le conseil de sa sœur qu'il a écouté. Et puis il est revenu. Et vous a dit non, je vais aller d'abord au pays. Je vais faire un petit voyage. Et je vais arriver. Et vous lui avez dit non, mais pour le mariage, ça va se passer comment? Parce qu'il y a un point, on devrait aller voir la famille, on doit visiter et tout. Et puis il a dit non, ça va attendre d'abord. Et il est parti. Maintenant, regardez. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il veut briser quelque chose dans votre vie, une malédiction dans votre famille. Amen. 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 Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle comme Mayram, c'est Mayram. Il y a beaucoup de Mariam. Ma mère, elle s'appelle Mariam. Ma belle-sœur Mariam. Même les enfants, il y a beaucoup de Mariam. Ok. Votre mère, c'est. Votre mère, c'est Mariama, c'est ça? Zalataman, vous savez, je ne sais pas où c'est le froid ou quoi. Votre mère, c'est Mayrama. Mariama. Oui. Votre mère, oui, c'est Mariama, c'est ça, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous avez déjà causé avec moi quelque part? Je vous ai dit que le Seigneur Jésus-Christ veut briser une malédiction, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Cette malédiction est dans la maison de Mariama, votre maman. Oui. Et nous allons prier. Amen. Pour briser cette malédiction. Et cette malédiction, c'est une malédiction de non-achèvement. Ça veut dire qu'on commence, on ne finit pas. On commence à se gâter. Et c'est un problème qui est dans votre famille tout entière. On commence, que ce soit le mariage, que ce soit les affaires, que ce soit n'importe quoi. C'est un peu compliqué. Hein? J'ai vu un monsieur qu'on appelait Aboubakar. Mon grand frère. Il est où? Where is il est ici à Yaoundé. Ok. Je vais prier pour votre grand frère parce que. I'll pray for your elder brother because. Il y a une femme qui a détruit sa vie. Oh, amen. Mon Dieu.
Seigneur Jésus. Votre grand frère Bakar, j'ai vu une femme. Il y a eu une histoire avec une femme. Une femme que la famille n'a pas aimée. Hein? Et la femme est venue le séparer de la famille. Lui donnant de très très mauvais conseils. Maintenant regardez. Le Seigneur me dit de prier pour votre frère. Et si c'est possible, si c'est possible, s'il vous plaît, si c'est possible, si c'est possible, qu'il me raconte. L'administrateur général va vous voir à la fin, si c'est possible. Que le Seigneur Dieu préserve Abakar de ce mal. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il a mangées. Des choses qu'on est allé faire chez le marabout. On lui a ramené ça. Et il a mangé. Et il aime la femme là. Comme si c'est. Comme s'il va mourir. Mais le Seigneur est bon. À cause de vous, votre famille sera sauvée. Amen. C'est qui comme Aïssa? Aïssa Tou, c'est Aïssa Tou. Aïssa Tou est la femme de mon petit frère. Elle aussi, il y a un problème. There is also a problem. Elle est la femme de mon petit frère. J'ai aussi un Aïssa, mon bébé. J'ai aussi une Aïcha, une petite fille, mon enfant, mais la Aïcha qui est grande, c'est la femme de mon petit frère. Non. Votre enfant, c'est Aïcha. Oui. La femme de votre frère, c'est Aïcha Tou. Oui. Aïcha, c'est votre enfant. Aïcha Tou, c'est la femme Aïcha Tou, c'est la femme de mon petit frère. Maintenant, regardez. Nous allons prier que le Seigneur ait pitié de cette femme. For the Lord to vous comprenez? C'est une bonne femme. Mais elle lutte elle aussi avec she la malédiction de la maison de sa mère. Et à l'heure où je parle, elle a des problèmes au niveau de son ventre. D'accord. Nous allons prier Dieu. Amen. Malédiction active. Merci Seigneur. Vous dites qu'elle est où? Elle est à la maison. Nous allons prier pour elle. Amen. Maintenant regardez. Le Seigneur Jésus Christ. Nous allons prier qu'elle accouche sans problème. Amen. Vous comprenez? Qu'elle accouche sans aucun problème. Nous aimons nos frères musulmans. Nous les aimons. Maintenant, je voudrais vous bénir. Mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur. Attachez-vous à Christ. Vous avez suivi l'enseignement que j'ai donné ce matin, n'est-ce pas? Attachez-vous à Jésus et devenez le sel de la terre. Devenez le sel de la terre. Laissez Christ vous changer. Maintenant, regardez. Je veux vous dire quelque chose. Je prie avec vous. Dieu va vous sauver. Dieu va sauver votre famille. Vous comprenez? Dieu va sauver votre famille. Et il y a des choses que je ne veux pas entrer dans le détail à la télé, mais je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ, je parle comme prophète du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ va envoyer un ange à la mosquée vers un homme qu'on appelle Haruna. Vous avez suivi? J'ai dit vers qui? Vers un homme qu'on appelle Haruna. Allah dit Haruna. Allah dit Haruna. Oui. Un ange du Seigneur ira là-bas. An angel of the Lord. Et l'ange de Dieu va parler à Alhaji Haruna. L'ange va lui parler dans l'oreille. Et il reviendra vers vous. Et par lui, beaucoup de forteresses vont tomber dans votre famille pour que l'étendard du nom de Jésus soit établi. Père, bénis cette femme au nom de Jésus. Que son cœur soit consolé. Et que ta main soit puissante dans sa vie. Qu'elle soit un témoin fidèle de Jésus-Christ au milieu de sa famille. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maman, félicitations. Wouh!